Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est la première fois en fait les soldes, enfin les ventes privées du coup que nous avons faites dans notre magasin préféré et un petit peu aussi pour les enfants. Voilà, j'avais besoin de changer un peu de vêtements en fait, comme j'ai beaucoup maigri, je n'avais pas acheté grand-chose, j'avais trouvé chez Emmaüs et puis au marché aux puces en fait des pantalons voilà en 36 en me disant ça suffit parce que ça va pas durer. Et en fait, ben, ça s'installe. Donc voilà, mon manteau d'hiver est en 42. Voilà. Et puis j'avais envie, voilà, ça fait plaisir. Ça fait 2 ans que je ne m'étais pas acheté grand-chose, enfin quasi rien. Et puis du coup, ben, c'est cool de se sentir à nouveau un peu superficiel et de se faire plaisir. Donc voilà, alors j'ai été avec Martin, je l'ai emmené chez Tape à l'œil. Et puis lui, il aime bien faire les magasins, ma Lisette, pas du tout. Et il a eu un coup de cœur pour ce sac, que je trouve un peu grand pour lui. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Voilà, il a flashé et puis ça lui plaisait bien. En même temps, donc du coup, il a le bon goût de flasher sur un truc qui était à 50%. Et donc voilà, ça faisait plus que 10 euros. Donc je lui ai pris. Bon, ça peut être pratique si on part en week-end pour trimballer ses affaires. Sinon, il faudra qu'il grandisse un petit peu encore. Je lui ai pris un chapeau, voilà, pareil, à 50%. Donc du coup, hop, ça ne faisait plus que 4,50€. Voilà, il est beau. Il a flashé sur une casquette avec un espèce de grillage à l'arrière. Comment vous dire que ce n'était pas possible pour moi de le lui acheter? Mais le chapeau, d'accord. Chez Tape à l'œil, j'ai aussi pris une collection de chaussettes. Alors, ça, c'est... Quelle taille? C'est du 31-34. Ça, c'est pour ma Lisette. Voilà, tout un paquet de chaussettes. Et alors, vous allez rire. Ça, c'est du 38-40 parce qu'ils font aussi des vêtements pour les adolescents. Donc, bah, je m'en suis pris un paquet aussi. Franchement, elles tiennent super bien. Je m'en étais acheté un paquet, je sais plus, il y a longtemps et je les ai toujours. Elles ne bougent pas, sincèrement, c'est cool. Donc, on aura les mêmes chaussettes. Ça va juste être pénible à trier quand ça va sortir de la machine à laver. Mais voilà, donc Zou, chaussettes, mère-fille. Je m'en suis prise également des basses, voilà, pour mettre bah, dans les baskets, pour pas que ça dépasse. Donc celles-ci, Zou, elles étaient à 40%, et à la base, ben, c'était déjà pas cher, hein, c'était à 7 euros, il y a 5 paires. Là, il y a 4 paires, ça faisait 6 euros, et puis c'est à 30%, donc franchement, rien à dire pour le tarif. Et puis à ma Lisette, je lui ai repris des élastiques pour ses cheveux parce qu'en fait, tous les matins, alors là, un petit peu moins parce que comme elle mettait le bonnet et le cache-cou, en fait, la coiffure, elle tenait pas. Donc, on avait abandonné les coiffures. Mais voilà, là, il fait plus doux. On va pouvoir lui réattacher les cheveux, la faire encore plus belle le matin. Et en élastique, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle les bouffe. Donc voilà, je lui ai repris des élastiques. C'était à 30%. Voilà, 4 euros. Voilà, ensuite, ça, on est passé. Donc, nos magasins préférés, c'est Black Store. On n'a pas grand chose, en fait, pour trouver des marques chez nous, là, voilà. Donc, en fait, là, tout est concentré dans le même magasin. Et puis c'est à coller avec un Intersport. Donc, du coup, ça vient de chez Intersport. C'est pour ma Lisette. Zou, elle a bien grandi, voilà, un petit t-shirt, donc à manches longues de chez Caporal. Alors c'est vrai que nous, on préfère acheter les marques parce que sincèrement, ils les mettent 2 saisons d'affilée. Ça bouge pas, en plus moi j'en repasse pas, donc je trouve qu'ils se tiennent mieux. Alors, bien sûr, ils sortent pas de la machine comme s'ils étaient repassés, mais ils sont quand même moins fripes que les trucs voilà, bas de gamme, donc ça faisait 19 euros à 40%, du coup ça fait à peine plus de 10 euros le t-shirt, donc c'est sympa. Bon, ce qui m'angoisse un peu, c'est que c'est blanc, donc mais hop, elle a déjà un t-shirt d'été chez eux, blanc, et ça va, il tient le coup. Du coup, bah, je lui ai pris le même bah, dans cette couleur-là. Voilà, il y avait déjà plus grand-chose, hein, sincèrement, c'était le deuxième jour des ventes privées, et ils avaient déjà bien liquidé. Donc, hop, mais c'est pas grave. Donc, celui-là était déjà 30%. Celui-là, donc, il faisait 18 euros. Donc, il n'y avait que 30%. C'était un petit peu moins soldé chez les enfants.
voilà, un petit t-shirt à manches courtes. Mais là, c'est pareil. Sincèrement, ça bouge pas. On a eu qu'une seule fois un souci avec les vis. En fait, en l'avant, ça, c'était parti. Mais sinon, tous les autres, Martin, on a beaucoup. Et ça bouge pas. On arrive à les revendre au marché aux puces. Et ils disent, on arrive encore à les donner. Et franchement, c'est nickel. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est on achète beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, quand même sur les vidéos, vous voyez nos enfants toujours avec les mêmes vêtements. Parce qu'en fait, j'en achète pas beaucoup. La machine, elle tourne tous les 2 jours en hiver parce que ça sèche moins bien. Et tous les jours en été. Mais voilà, ils portent leurs affaires. Et puis donc, on préfère payer un petit peu plus cher. Ils les mettent, ils vivent avec. On fait pas d'histoire. Hein, s'il y a une tache, un trou, voilà. Mais en général, ça tient vraiment très très bien le coup. Et voilà, on achète plus cher, mais beaucoup moins, et on trouve que c'est bien rentable. Alors, hop, on a fini. Là, ça, qu'est-ce donc? Bah, celui-là, c'est pour moi. Voilà. Alors, c'est rigolo. Il manquait le M, donc en fait, le S me va bien, mais il me met pas très en valeur parce qu'en fait, on voit du coup en haut. Ma morphologie bizarre, et puis ça moule un petit peu le ventre, donc je me sens plus à l'aise dans du M. Et puis il n'y avait pas le M, donc j'étais partie essayer le S, mais voilà, je me sentais pas bien. Et donc du coup, bah, je l'ai pris en L. Bon, bah, c'est un petit peu plus large, mais ce n'est point grave. Zou, voilà, comme ça, à manches courtes. C'est pareil, donc à la base c'était 25 euros, donc c'est correct, et puis il était à 40%. Hop, parce que en fait j'ai dû me séparer de plus de la moitié de ma garde-robe vu que ma morphologie a changé, il y a plein de choses que je ne peux plus mettre. Donc voilà, il faut racheter des t-shirts, des hauts. Moi j'avais beaucoup de chemisiers, de choses comme ça, de petits tops, mais c'est impossible à réutiliser. Donc ils ont fini sur Vinted. Et là j'ai encore 2 grosses piles à Vinted ou un prochain marché aux puces. J'ai acheté Zou une doudoune. Voilà. Donc elle est sympa. Alors, elle est couleur aubergine. On s'en rend pas super compte. Voilà, l'intérieur, c'est joli. Elle est bien finie. Elle est sympa. Avec une capuche. On va passer. Alors, pour le prix, 50%, moi je préfère quand c'est à 50% au moins, mais voilà. Donc, à la place de 130 euros, ça faisait plus que 65. 65, c'est correct pour un manteau. 130 aussi, hein, quand on a un budget, voilà, pour 4. Donc, Zou, je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà. Donc, de chez Superdry. Coucou Lisette. Pousse tes fesses, ma chatoune. Attends un peu. Ça, c'est la chemise. Ouais. Maman. Alors, je vous mettrai. J'ai fait une photo de cette chemise où je l'ai essayée dans la cabine d'essayage. Et en fait, sur le cintre, je me suis dit, oh, je savais pas trop. Et c'est vrai que quand je voyais les filles à la télé, tout ça, je me disais, oh, c'est pas mal. Et puis quand je l'ai vu sur le cintre, je me suis dit, bon, allez, je vais l'essayer. Et quand je l'ai eu sur le dos, ça a été un vrai coup de cœur. J'envoie la photo à Johan et puis il me renvoie par SMS, bif. Je comprends bien, le i est à côté du haut, donc ça voulait dire bof. Voilà. Et puis moi, je l'aimais tellement, j'étais déçue qu'il ne partage pas mon avis. Mais bon, voilà, tant pis. Elle est bien épaisse, elle tient chaud. Bon, c'est sûr, ça fait un peu femme qui allait couper. Son bois pour mettre dans la cheminée au Canada, mais voilà, elle me fait plaisir. Celle-ci en taille M comme je préfère, donc je vous montrerai sur la photo, c'est un petit peu grand sur les côtés, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'était aussi une bonne affaire, même si je trouve que bon, voilà, pour une chemise c'est encore un peu cher, mais allez, on va dire c'est mon coup de cœur des soldes. Hop. Ensuite, alors, pour chez Tape à l'œil, je suis rentrée seulement avec mon tintin. Lisette est restée dans la voiture avec son papa. Chez Okaidi, ils sont venus tous les deux, et pour cause, donc Martin, lui, il aime bien. Mais Lisette, elle aime juste ce magasin parce qu'au centre du magasin, il y a un côté Okaidi, l'autre côté Oxybul. Et en plein milieu, il y a une aire de jeu, et donc là, en fait, on les voit même plus. Et en reste, ils jouent, c'est super cool.
Pour Martin, donc lui, il a bien grandi, il est passé aux 6 ans maintenant. Celui-là, je le trouve super sympa. Il était à 6 euros, hein, 5,99. Et puis, je l'ai eu à 50%. Donc, il n'y a plus l'étiquette des réductions, mais du coup, ça faisait que 3 euros. Il est cool, je trouve. Je lui ai repris ensuite. Ah ben, ça, par contre, c'était vachement pratique pour moi parce que comme ça, j'ai pu demander leur avis. Bon, alors Martin, lui, on est encore à l'époque sympa où tout lui plaît. Élise, ça devient plus compliqué. Mais ils ont pu essayer la taille parce qu'une fois, j'avais acheté plein de choses et il n'y a pas un article qui allait. Donc, il a fallu que j'aille tous les échanger. Ça m'a quand même vachement bien fatiguée. Alors que là, quand j'aurai fini la vidéo, eh bien, je pourrai tout ranger. Alors, le suite, Zoo, Give Me Five. Oula, il est sympa. On sent que ça a passé quelques jours dans le sac. 50% aussi, donc c'est pareil. Hein. C'était vraiment pas cher, 16 euros. Ça fait plus que 8 euros. Franchement, 8 euros à la suite, il n'y a rien à dire. Pour Lisette, elle l'a choisi. Je pensais que ça ne lui plairait pas. Mais voilà, elle l'a choisi. Elle l'a essayé aussi au magasin. Oui. Celui-là, il n'était qu'à 30%. Mais bon, ça lui plaît. Mmh. Et puis autrement, tout ce qu'on avait vu pour toi, il n'y avait pas ta taille. Il faudrait que maman le regarde sur internet. Je crois que en fait, l'année où j'ai eu mes enfants, tout le monde a fait beaucoup d'enfants. Et il manque toujours que la taille de mes enfants. Donc voilà, il y avait des choses qui me plaisaient bien, mais il n'y avait plus. Donc, mais celui-là, hein, il te plaisait. Mmh. Hein, ma beauté. Et on est allé au champ, mais il n'y avait pas les chevaux parce qu'il y avait le propriétaire des chevaux. Et on va les caresser. Johan s'est pris. Deux pantalons, hop. Un pantalon vert. Ouais, il a vert noir. Kaki. Kaki. Vert kaki. Alors lui, il a fait vraiment une bonne affaire. Voilà. Parce qu'il porte toujours des pantalons de jeans bleus. Oui, mais toujours que des jeans. Mais là, hop, ça change un peu. Et voilà. Donc à la base, ça faisait 60 euros. Et puis il y a eu à 50%. Donc franchement, 30 euros le pantalon, c'est cool. Pas fort alors. Ouais. Hop. Il s'en est trouvé un deuxième. Genre, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas la même marque. L'autre, je connais pas la marque en fait. Celui-là. Voilà. Celui-là, c'est un Jack and Jones. En tout cas, à la base, c'est vraiment pas cher déjà. Voilà, à la base c'est 40 euros le pantalon, ce qui franchement c'est une marque qui est vraiment sympa parce que elle est pas très chère. Et il faisait des choses pour enfants aussi, pour petits garçons. Et il n'avait pas encore eu le temps de mettre les étiquettes. Et c'est vrai que comme ils sont, c'était à 10 euros les t-shirts pour enfants, si on les a à 30 ou 40 ou 50%, c'est vraiment plus rien. Ils n'avaient pas mis les étiquettes, ils avaient du retard. Donc du coup voilà, 40 euros et il était à 40%. Celui-ci, il est bleu marine. Voilà, il devient un peu plus classique. Hop. Parce que lui, à la base, c'est plutôt des jeans. En fait, il n'a que des jeans. Je sais que, je crois, l'année dernière, pour la Saint-Valentin, je lui en avais acheté un bordeaux qui était super joli. Mais, on va dire ça comme ça, c'est qu'il a rétréci. Donc, il ne peut plus le mettre. Mais sinon, voilà. Donc, il opère un changement. Bon, c'est cool. Zou, ben là, il n'y a plus rien. Il reste plus que celui-là. Ah bah il s'est trouvé des chaussures. Voilà, il en avait marre des siennes. En même temps, lui, il n'a qu'une seule paire de chaussures. Et quand nous, on en a en brun, en noir, je sais pas, à talons, sans talons, les baskets. Voilà, lui, il n'a qu'une seule paire. Il n'a pas acheté, je crois, de chaussures depuis que nous sommes dans le Loir-et-Cher. Donc, hop, voilà. Wow. Alors il m'a dit fais ta vidéo aujourd'hui parce que comment vous dire que c'est pire que les enfants. Demain il va faire sa rentrée parce qu'il avait une semaine de vacances là, habillé tout neuf et qu'il peut plus attendre. Il pouvait pas attendre à une journée près que je sois toute seule à la maison. Donc elle faisait 80 euros à la base, voilà, à 30% c'est pareil, c'est assez, assez correct. Et il s'est pris un pull, celui-là, je l'aime bien. J'aime bien tout ce qu'il a. Hein, mais... Hop, qui monte avec un petit col. Voilà.
Il est couleur aubergine aussi, un peu. On ne voit pas très bien. C'est un caporal. On aime bien. On avait un magasin caporal, mais il a fermé. Il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Et donc, hop, voilà, 80, presque 89 euros. Donc, à la base, voilà. Donc, nous, on n'achète rien en dehors des soldes. Rien du tout. Et à moins de casser sa veste ou sa paire de chaussures, enfin, qu'on soit dans l'obligation d'acheter quelque chose. Mais sinon, donc, on achète tout au solde. Là, pour moi, je me suis commandé des culottes chez Etam parce que j'en aurais besoin comme je serai opérée et que je n'en ai pas beaucoup. Donc, il vaut mieux quand même qu'elles soient présentables. Voilà. Et comme je ne sais pas combien de temps je serai hospitalisée et que je ne pourrai pas être ravitaillée, c'est à Tours, c'est une heure de chez moi. Donc voilà, j'ai commandé. Ça devrait arriver dans la semaine. Et c'est à peu près tout. Martin n'a qu'une seule paire de chaussures, à savoir sa paire de baskets que ses grands-parents lui ont offert cet été. Là, c'est sa sèche. Il va falloir que je mette un coup de sèche-cheveux pour que ça ait fini. Donc, en fait, peut-être que samedi, on ira lui acheter une paire de chaussures en ville. J'ai reçu l'invitation il y a 50% dans un magasin de chaussures pour enfants. Et je ne sais plus ce que je voulais encore. Voilà, mais j'irai faire un petit tour pour cette première série de soldes. Ben voilà, c'est fini. Et puis je vous montrerai la suite, mais ça va être assez light, hein, ponctuel. J'irai me promener. J'ai pas fait encore mon tour chez 1-2-3, mais j'ai vu qu'ils soldaient pas beaucoup beaucoup sur internet. Et voilà quoi, je ne sais plus encore ce que je voulais essayer. Donc on se fera encore un petit peu plaisir, mais mollo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller ranger tout ça maintenant. Et je vous dis à bientôt. Salut !